Oula, il y a les poules dedans. Voilà, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, j'en profite d'avoir un petit moment de calme sans trop de cris pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc là, on se trouve à Paris sur la mobilisation contre la réforme des retraites, avec une grande partie de syndicalistes. On a pu voir en grand nombre le personnel hospitalier, l'éducation et aussi énormément les transports. Donc voilà, aujourd'hui pour cette mobilisation, on va suivre donc les secouristes et les street medics. Voilà, sur le long de cette mobilisation, afin de vous prendre un maximum d'images et de vous montrer aussi comment les street medics arrivent à s'organiser sur des mobilisations aussi importantes que celle-ci. Je le rappelle, aujourd'hui ils sont très peu nombreux. Au vu de, comme vous le voyez, la mobilisation qui est quand même relativement impressionnante. Un petit peu moins que la semaine dernière, mais quand même beaucoup de monde encore aujourd'hui. Qui ne devrait pas tarder à partir. Donc je vais vous laisser sur ces images pour le moment, le temps de préparer le matériel afin que je ne puisse pas avoir à sortir en plein milieu d'un mouvement de foule. Et je reviens vers vous d'ici quelques minutes donc pour le départ de cette manifestation qui pour le moment est stagnée, ne peut pas pour le moment démarrer. Et je reviens vers vous d'ici quelques minutes. Je vous invite à rejoindre la page délégation J20 si vous voulez vous informer des directs qui sont en cours. On a des collègues qui sont sur le terrain. Donc je vous invite à vous rendre sur cette page si vous voulez voir certains directs. Donc on a une collègue qui se trouve à Toulon et alors le reste, je ne vais pas vous dire de bêtises. Beaucoup de personnes mobilisées sur le terrain aujourd'hui. Donc je vous invite à vous rendre sur le site délégation J20.